Jolo tamé na bima kate na bimi lelo Piroje makambe zadio bima kate za komé akamé wonjo ke izaite mono lelo. L'ANTPC est en train de s'apprêter pour ce mot que le PC. Monsieur dont nous parlons aujourd'hui et autour duquel nous nous sommes réunis à l'instant s'appelle Maipoutou Kouidi Daniel Claude. Mayen ou vieux Mayen pour ses intimes. 76 ans accomplis, dont 55 au service de la culture et spécialement à la pratique du théâtre. Un culturel, un artiste dramatique, acteur de cinéma, scénariste, humoriste, metteur en scène, producteur culturel, il l'a été. C'est à l'aube des années 70 que Mayen s'illustre dans l'art de Molière, dans la pièce Ngombe, où il avait incarné le rôle du chef Ngombe, avec un autre culturel. Je cite le professeur André Yocalier, avec qui il a aussi joué Kimpuanza, Antigone d'Anouilh et bien d'autres pièces de théâtre. Et ce, après ses débuts, l'Union de théâtre Colin, issue de l'ITAF,
qui était une troupe de théâtre amateur venue de Lubumbashi. Et lorsque cette troupe s'éclata en deux, lui intégra le Teko, où il a eu à jouer avec des grands Joseph Kachala Monantamboa, dit Papa Chef, un autre grand-père Mukalenga et bien d'autres. Boudi, M. Diallo, Aboubakar, M. Barry, M. So, Tombaz, Tombazazou, Tatoukanoaï, selon qu'il était Tatoukanoaï ou Amulembelela ou Amutalama. Autant de noms correspondant aux différents personnages qu'il a incarnés dans sa riche carrière artistique. Toutes les grandes salles de spectacle des 11 anciennes provinces de la RDC et des pays voisins l'ont reçu et ont applaudi ses brillantes prestations. Artiste aux talents innés et polyvalent, ce peintre de la société congolaise et africaine a su imprimer sa marque et son caractère dans l'imaginaire collectif. Grand, il a été, il est et il le restera. Patrimoine artistique. Kwedi laisse un patrimoine aux valeurs inestimables que chacun de nous gardera encore longtemps à travers ses œuvres innombrables. Héritage moral. Sima yali wana nga na boi banana nga basambwa bayo kasonye na likambo ya papa salaka. Eh bien, ce passage de Redia Missi, Monsieur Kwedi en a fait sa vie. Excellent homme, fréquentable et vivable. Il s'en va la tête haute, dont nous, ses collègues et ses enfants, Maïna, Malaïka, Patti, Héritier, Mamie, parleront avec autant de fierté. Héritage matériel? Oui. Donc quand se pose à haute voix cette question, je me dois d'y répondre, car il a travaillé pour ce pays et son peuple, plus particulièrement à la télévision nationale, où l'on est au service de la nation, où l'on ne vend rien. Excellence, distingués membres de l'assistance, je vais y répondre à deux volets. Mokolo ya liwanga, kolo ya mbanga, monimana kotika, ba œuvre na sala, héritage ya bana, kombo ya lokumu. Oui, kombo ya lokumu. Oui, les œuvres qu'il a données à la République et au monde. Ça, le plus grand héritage que Mayen nous a eu. Congolais en général, famille Kwedi en particulier, soyons fiers de ce héritage. Et tous les Congolais peuvent compléter la suite de cette célèbre chanson d'un grand peintre, je cite Kofi Olomide. Des inquiétudes, des incertitudes pour la veuve et les enfants, mon pépé, mon zélé et autres ont laissé cet héritage. La triste réalité des agents et cadres de la télévision nationale congolaise, RTNC. Sont-ils condamnés à ce sort dans leur pays? Masomo, Masasi, Alinga, Bolingo et les autres savent déjà ce qui attend leurs orphelins et leurs femmes. Excellence, mesdames et messieurs, je ne peux terminer mon mot sans souligner ce grand apport
non moins important de la très distinguée première dame, maman Denise Nyathelo Tshisekedi, qui depuis un certain temps a pris en charge les culturels. Te resteront reconnaissants. Et ensemble, nous te disons, va en paix, avec honneur. Benjamin, le tien et ton pays t'honore aujourd'hui. Je vous remercie. Merci au président Bélo. Nous remercions le président de l'Association nationale du théâtre populaire au Congo, Massoum Débendré, Débendré Yalaka Yara, Mpimbangu, pour le nom prononcé à l'endroit de ce prince. Son frère et ami, Pedi Maïmputu. Pedi Maïmputu, agent. Pour annoncer solennellement que dans les jours à venir, nous graverons le nom de Oshoué et du stade en vue d'immortaliser cette étoile chinoise. Pour finir, l'espèce entreprenant et de sa sueur a participé à l'érection d'une culture quinoise et congolaise appréciable au travers du monde. Encore une fois, mes condoléances aux quinoises et quinois. Banaki, dirigé par le ministre Godard Motemona. Président du Sénat, l'honorable Modeste Bakiyoukoto, homme de culture, qui a toujours été aux côtés des culturels. Et en ce jour, on arrive à la RTNC pour rendre hommage lui-même. Patron de la ville de Kinshasa, un véritable Kinois, il
va s'adresser aux Quinois de suite de la disparition de ce grand Quinois qui vient de nous quitter. Et ça se passe en fait sur la télévision française. Le président du Sénat, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, chers Quinois et chers Quinois, vous êtes venus nombreux et nombreux pour rendre un dernier hommage à un comédien aligné depuis vendredi dernier. Voilà le poteau que Dieu a donné, Dieu a écrit que son nom soit tout simplement glorifié. Encore une fois, merci à vous tous qui êtes venus nombreux pour rendre un dernier hommage à cet artiste de génie qui a été Wendy Maïpoutou. Infiniment merci. Thank you.
Ma cuisine
Vamos a ver.
vient de loin, ma côté. Il y a pas grand monde à reconnaître. Mais ça, on va y aller. On va y aller.